Re-coucou, non coucou, parce que ce sera un autre jour, donc coucou. Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Pas si nouvelle que ça, puisque c'est la suite de la première partie de mon haul. Un énorme haul sans fin, voilà, c'est le haul sans fin. On ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Dans tous les cas, j'ai encore pas mal de trucs à vous montrer. Ashley me rejoint dans quelques instants. Si vous n'avez pas vu la première partie du haul, je vous mets le lien ici. Il y a des fiches normalement qui s'affichent comme ça. Je sais pas c'est dans quel sens, mais bon, voilà, c'est en haut comme ça. N'hésitez pas à cliquer pour voir la première partie du haul. En plus, il y a un petit concours sur le site Shein avec un code promo, tout ça, je dis ça, je dis rien. N'hésitez pas à aller voir ça. Je vous montre du coup la suite. J'ai reçu des articles du site CN Direct. C'est un site dont je vous ai déjà parlé. J'avais déjà reçu 3 commandes de chez eux et j'étais très très contente de tout ce que j'ai reçu. Et là, c'est la désillusion quoi. J'ai reçu des articles, à part 2 ou 3 qui sont bons et que j'aime, tout le reste, c'est pas bon. Dans un premier temps, j'avais demandé un stickers ardoise. Les lettres du haut étaient abîmées, je sais pas si ça va coller, donc bon, on verra bien. J'ai commandé aussi le collier que je porte aujourd'hui, qui est assez sympa. Franchement, le collier, je suis plutôt contente. Il est super joli, c'est un argenté avec du noir. J'aime bien le collier, de bonne qualité. J'ai commandé ensuite une robe longue blanche. Et cette robe-là, c'est l'incompréhension. C'est-à-dire que elle était très jolie sur le site. Même là, quand vous la voyez, on se dit que le col est vraiment super beau. C'est une robe longue, mais genre longue, longue. Parce que je suis toute petite et on dirait que c'est une robe de mariée en fait. Ça fait une longue traîne, tout ça. Bon, après, bon, c'est pas ça le problème. C'est-à-dire que, franchement, les Chinois, ils ont des mensurations cheloues. Je ne sais pas. Alors, soit ils ont des mensurations cheloues, soit ils savent pas bien prendre les mesures, je n'en sais rien, mais quand vous l'avez reporté, c'est-à-dire que ça, limite vos tétés sont dehors. Limite, il aurait fallu avoir un coup de 30 cm pour pouvoir porter ça. Donc, je ne sais pas sur qui ils se sont basés. Peut-être sur les filles là, des tribus d'Afrique, vous savez. Les longs coups avec les espèces de colliers dessus. Peut-être ils ont essayé la robe sur quelqu'un comme ça. Mais en tout cas, si vous avez un cou normal, cette robe est très spéciale. C'est une taille S en plus, mais en fait, il faut couper carrément sur la dentelle pour que ce soit un truc normal. En fait, il aurait fallu que ce soit comme ça, le truc. Les gars, ils ont fait ça comme ça. Je ne sais pas. Les Chinois ont un problème avec le cou. Si vous avez vu ma première vidéo, vous saurez de quoi je parle, mais je pense vraiment que les Chinois ont un problème de cou. Ensuite, j'ai commandé une jupe un peu asymétrique puisqu'elle est plus courte de ce côté-là. Et elle est longue ensuite, en mode marinière comme ça. Je trouvais ça assez sympa pour l'été. Elle est très très bien cette jupe là. Le tissu, bon, c'est pas mon truc préféré, mais bon, en soi, c'est pas dérangeant, c'est pas transparent, ça va. Elle est un petit peu trop longue pour moi, donc ça c'est pas un souci, je vais la reprendre. Mais voilà, si vous êtes petite, sachez que ça va être trop grand pour vous et que ça va traîner un petit peu à terre. Ensuite, j'ai commandé un haut en taille M et le truc me fait une robe. Voilà, j'étais contente de pouvoir commander un truc un petit peu couleur beige, nude comme ça. C'est pas des couleurs que j'ai beaucoup dans ma garde-robe, mais c'est des couleurs que j'aime bien. Je sais pas pourquoi j'en achète jamais en fait. Je me tourne toujours sur du blanc ou sur du noir parce que je me dis que c'est des valeurs sûres. Mais en fait, le nude aussi, c'est une valeur sûre. Je sais pas. C'était super joli sur le site. Par contre, on aurait dit que c'était en coton. Là, c'est un tissu assez fin. Cet article-là, je suis assez déçue parce que, enfin, c'était super beau sur le site. Et là, ce que j'ai reçu, ça n'a rien à voir. Ensuite, une robe blanche comme ça. C'est un col un peu montant avec des lacets qui font un décolleté. Mais c'est pas possible, en fait. C'est totalement transparent. Il n'y a pas de doublure, rien du tout. Porté peut-être avec un dessous de robe, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Sachant que sur le site, on dirait que la robe est vraiment bien doublée, tout ça. Rien à voir avec ce que j'ai reçu. Ensuite, j'avais commandé une robe noire asymétrique comme ça. Donc là, on voit la cuisse. Et sinon, c'est une jupe longue. Une robe. Pourquoi j'ai dit une robe? Non, c'est une jupe. Une jupe longue. Au niveau de la qualité, je trouve que c'est pas ça. On voit vraiment toutes les formes. Ça moule vraiment tout. J'aurais bien aimé que ce soit une matière un petit peu plus doublée. Et ensuite, avant-dernier article, c'est l'un de mes articles préférés pour le coup. C'est une combinaison verte kaki. Elle est trop belle. Alors là, pour le coup, je m'attendais pas à une si belle qualité.
C'est une combinaison short comme ça. Vous la verrez porter, elle est sublime quoi. J'aime trop. Et derrière, c'est dos nu. Alors au niveau de la taille, ça va. Ça va parce que c'est un petit peu trop large à un endroit. Mais c'est vraiment vite fait ça. C'est deux petits points de couture. C'est vraiment vite fait. Donc ça me pose pas de problème. Donc je suis contente. Elle est trop belle. Le vert kaki, c'est une couleur que je kiffe à mort. Donc je suis plutôt contente. Et ensuite, pour finir sur le site CN Direct, j'ai commandé ça. Bon, là, je pense que ça ne vous dit rien. Mais en fait, c'est les espèces de trucs pour faire, pour ne pas mettre de soutien en fait, pour faire remonter les seins mais sans porter de soutien. Je sais pas si vous avez vu toutes les histoires avec Kim Kardashian qui mettait du scotch, tout ça sur ses seins pour faire remonter ses seins, pour pouvoir porter des robes sans soutien, tout ça. Ben là c'est la même chose, sauf que c'est pas du scotch, c'est quelque chose qui est adapté pour ça. Bon, j'ai testé, ça ne marche pas. Voilà, peut-être ça marche si vous avez des petits tétés, mais avec les gros tétés ça marche pas trop, donc voilà, je pense que je vais utiliser ça en cache-téton, on sait jamais si j'en ai besoin de ces jours. Mais sinon, ça c'est censé attraper votre tété comme ça et faire remonter le tété. Mais le tété ne remonte pas forcément, voilà. Le mien, il est remonté un tout petit peu et après, pouf, ça a lâché comme un élastique, voilà. Je crois que mon tété était trop lourd. Voilà, si c'est des tétés trop lourds, ça peut pas marcher. C'est des tétés légers peut-être. Et du coup, en plus de cette connerie-là, j'ai commandé deux packs. Parce que moi, je croyais qu'il y avait juste un seul truc pour une application. Donc du coup, je me suis dit que j'en commande deux. Mais en fait, c'est des lots de 8. Donc j'ai 16 trucs comme ça. C'est génial. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ensuite, on continue avec un sac à main. Ça fait un moment que je l'ai reçu. Je dois vous faire un lookbook avec sur comment porter un sac rouge. Avec quoi l'associer, tout ça. Donc c'est un sac de la marque Teddy Blake que j'ai reçu. C'est une marque américaine qui coûte assez cher. C'est une marque de luxe. C'est un sac que j'ai reçu. J'ai choisi la couleur. J'ai choisi du rouge parce que j'aime bien. Donc c'est un sac en cuir et j'ai beaucoup aimé la forme qui me rappelait. Je vais vous le fermer pour que vous puissiez le voir fermé. Vous allez me dire à quoi ça vous fait penser. Donc voilà comment il est fermé et ça me faisait penser à un sac de créateur. Je sais plus c'est quel créateur qui fait ce sac là, mais je trouve que c'est quasiment la même chose quoi. C'est vachement inspiré de cette marque là. Vous avez une petite anse si jamais vous voulez rajouter, le porter à l'épaule et tout ça. Et la qualité est vraiment très très bonne. C'est des sacs qui sont conçus en Italie. Ensuite, on continue avec des bijoux que j'ai reçus du site Happiness Boutique. C'est un site qui vous a beaucoup plu. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. Non. Si? Non, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo All Mode. Voilà, pas dans ma dernière vidéo tout court, c'est pas ça. C'est un site que j'ai beaucoup aimé et du coup ils m'ont proposé de recevoir d'autres articles et j'ai accepté tout de suite parce que autant vous dire que je suis carrément conquise par le site. Il y a de très 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 belles pièces et les bijoux sont d'une qualité vraiment géniale. Je n'ai rien à rajouter sur la qualité. C'est pas de l'or, de l'argent et tout ça, mais la qualité est vraiment hyper bien. Les bijoux durent longtemps, ça ne noircit pas ou quoi. Pour l'instant, je suis contente de tout ce que j'ai reçu et tous les bijoux que j'avais déjà sont toujours en parfait état et je les ai déjà beaucoup portés. Donc on a ce collier. Est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose en vous montrant ce collier là? C'est un collier doré avec des strass et la beauté incarnée quoi. Trop beau. Je pense qu'on peut même le porter dans ce sens là tellement il est beau. Ça fait genre un effet doré et tout. Oh, je pense que je vais le porter dans les deux sens. Moi j'aime bien faire ça. Je trouve que ça... Enfin, c'est sûr que vous n'allez jamais voir quelqu'un avec le dos du collier puisque forcément les gens vont le porter dans le bon sens. Et c'est là. C'est là que quoi? Bon, c'est là que rien du tout en fait. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Il y a certains modèles qu'on retrouve sur ce site-là et qui sont également sur AliExpress. Donc après, je sais pas si c'est la même qualité ou quoi. Mais voilà, en tout cas sur ce site-là, si jamais vous cherchez des bijoux de qualité qui vont vous durer dans le temps, allez-y. C'est sûr qu'AliExpress, ça va pas vieillir de la même manière. Ça va pas durer le même nombre de temps. Donc voilà, après c'est à vous de voir. J'ai commandé ces boucles d'oreilles-là. Ça ressemble assez à celles que j'avais prises avant, mais dans un autre style. Je les trouve trop belles. Ça pend comme ça et en fait le fermoir vient
fermée. Pourquoi je suis nulle en explication comme ça, mon Dieu, c'est horrible. Je sais pas si vous avez compris, mais il y a la petite chaînette comme ça, et après il y a le fermoir et bim. Dernière paire de boucles d'oreilles, ce sont ces boucles d'oreilles là. Elles sont super grosses, super imposantes. Et j'adore. Je suis une grande fan de boucles d'oreilles et de colliers. D'ailleurs, ça fait partie de mes bijoux préférés, les boucles d'oreilles et les colliers. Et le truc, ça te prend toute l'oreille. Je trouve ça trop stylé. J'adore. Sublime. Rien à rajouter. Je dis ça souvent, rien à rajouter. Il y a plein de trucs que je dis souvent. C'est bizarre. Hein, j'ai des tics de langage. Bref. Dans tous les cas, si jamais ça vous intéresse de commander sur le site Happiness Boutique, j'ai un code promo pour vous de 10% à partir de 19 euros d'achat. Hey, ladies and gentlemen, attention, tu vas tomber. Ladies and gentlemen, bon, du coup, on continue le haul avec Ashley, mais j'ai pas fini de montrer mes trucs, alors tu vas m'attendre. Oh, ça dure 5 minutes. Hein? Allez, comme ça tu peux argumenter. Attends. Non, mais non, il reste 5 trucs, bébé, c'est bon. T'inquiète. Du coup, je continue avec des vêtements en wax. Mais fais comme si tu t'intéresses un petit peu quand même, des vêtements en wax. Ouh là là, c'est la folie. Des vêtements en wax, en plus t'étais là quand elle m'a apporté les vêtements, tu te rappelles? Et t'as toujours pas fait la vidéo. Mais je vais faire le haul. D'ailleurs, mettez-moi des pouces en l'air si jamais vous voulez que je vous fasse un lookbook spécial wax. Bon, dans tous les cas, même si vous mettez pas des pouces en l'air, je vais vous le faire. Mais j'aime bien les pouces en l'air quand même. Dis-leur, mettez les pouces en l'air. Donc, je vais vous montrer les trucs. Donc, c'est une jeune créatrice, elle s'appelle Satya. Et je vous mettrai ses réseaux sociaux, c'est WaxKiss sur Instagram et WaxMeKnow. Et là, je peux pas t'aider. Bon, dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Je commence avec cette petite pochette-là. Trop mignonne, j'aime trop. Avec un total look noir, petite veste et tout. Tu vois, le truc, tu vois. La petite pochette. En plus, il y a des petits accessoires aussi de cette couleur-là. Vous avez le petit nœud papillon. Donc, voilà, trop sympa. J'aime beaucoup. Vous avez ensuite un haut en wax, en fait. Tous les trucs sont en wax. Je ne sais pas pourquoi je précise. Un haut dos nu, comme ça. Avec un haut collier. Putain, on voit rien. Bon, bref. Et il est assez long. Mais j'aime trop ce... On ne voit plus. Je peux rester comme ça. Donc allez, il est assez long. J'aime trop, j'aime bien la couleur en fait. Et attends, on peut faire comme un tour de magie. Attends, regarde. Attention, je vais vous faire un tour de magie. Abracadabra. Oh mon Dieu, il va disparaître. Attends. Et en plus, à un moment, t'as dit abracadabra et t'as tenu ça avec ton bras. On continue avec un pantalon. C'est du jaune avec du bleu roi comme ça. En fait, quand je l'ai vu, ça m'a fait un petit peu peur. Et après, quand j'ai imaginé l'association que je pourrais faire avec, j'ai trouvé ça vachement sympa. Et on a une robe comme ça-ci avec le même tissu qu'au début. Elle est trop, elle est trop belle. Et qu'elle est belle, même acheter quand il m'a vu avec, il m'a dit waouh, comment t'es belle et tout. J'ai fait arrête et tout. Les manches sont comme ça, les bretelles, je sais pas si vous verriez. Il y a des petits bijoux aussi, la même couleur que le pantalon. Donc il y a le bracelet et les petites boucles d'oreilles. Voilà, trop sympa. Donc je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Sachant que les pièces que je vous montre, c'est pas forcément des pièces que vous allez retrouver. C'est vraiment, ça change tout le temps. Elle fait tout le temps de nouvelles créations. Donc ouais. Voilà, allez voir. On commence avec Primark. On dirait un gars de pub.
Nous commençons tout de suite avec Primark. Alors, une petite couronne de fleurs. D'accord, c'est bon, merci chérie. J'ai pris cette petite couronne de fleurs là parce que je sais parce pas. Parce que je te dis de prendre. Oui, ouais. Mais tu peux me laisser faire le speech et tout. En fait, au début, je voulais pas la prendre. Et après, Ashley m'a dit oui, essaye, c'est quand même joli, machin. Et après, bon, j'ai vu que ça m'allait, tout ça. Bon, j'ai dit ouais, bon, c'est pas parce que ça me va que t'as raison, tout ça. Voilà. Mais je trouve ça trop sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, j'aime trop. Oh non, je ne savais pas que j'aimais bien ça, mais pour le coup, je trouve ça vachement sympa. Donc, je suis contente. Voilà. Merci, mon petit bébou. On continue. J'ai hâte de voir comment tu vas présenter les trucs. Moi, j'ai pris ce truc-là, ce débardeur Primark. Miami Beach, même si on n'a jamais été à Miami. Avec un dégradé en bas. Hop. Voilà, à porter avec quoi? Avec un short blanc. Un short blanc, avec les gars, très important. Short. Parce que c'est des couleurs pastel et tout. Ouais. Donc ça, ça va bien avec le blanc. Ashley fait 1m86 pour vous situer. On fait comme sur Asos, tu sais. C'est marqué là. La taille du mannequin et tout. Non, 1m85. Tu fais 1m85? Ouais, je me suis tassé. Je sais pas beaucoup. Ah ouais? Le mannequin Ashley mesure 1m85. Le mannequin Sandrine. Mannequin, là, c'est vraiment mannequin. Petite taille, mesure 1m49,5. Voilà, comme ça vous pourrez vous situer un petit peu. Donc, parce que le short, un short blanc. Voilà, pour un aller blanc, blanc. Avec. Oh. Mais attends, tu me caches. Un short en jean. Puis là, écoutez. 9 euros 9 euros. Il était en promo. Ouais. Avant, il était à 12 euros. Oh, on a fait une super affaire, la bébé. J'ai pas vu qu'il était en promo. Ouais. Ensuite, je continue avec un collier de Primark. Qui était à 5 euros, mais en fait j'ai déjà un collier comme ça et je voulais reprendre le même parce que le mien il commence à noircir un petit peu. Mais en fait, quand j'ai regardé, tu t'en fous de ce que je raconte? Non. Tu penses que les gens s'en foutent? Bon, je pense que les gens s'en foutent, mais j'ai quand même envie de le dire parce que je ne sais pas pourquoi. Du coup, quand j'ai regardé ça, en fait, c'est pas les mêmes motifs. Voilà, tout ça pour en venir là. Donc voilà, j'aime trop ce collier là et vous êtes nombreuses à m'avoir demandé sur l'ancien collier comme ça que je portais où est-ce que je l'avais acheté. Donc sachez qu'il y en a à Primark en ce moment à 5 euros. Voilà. J'avais pris un autre short en jean classique, un peu dégradé. Il coûtait le même prix ou pas? On dit qu'il était pas en promo, on n'avait pas fait une bonne affaire comme tout à l'heure là. Il coûtait 10 euros! 10 euros! Oh non, ben c'est le prix normal. Enfin, tu vois, l'autre il était à 12 euros, il était en promo à 9 euros. Ouais, c'est bon. Là, okay. C'est 10 euros. J'ai pris ce collier là, il était à 8 euros. Voilà, doré comme ça, avec des. Ah, c'est le truc quand t'es arrivé. Quand on entend ça dans le couloir, on sait que c'est toi. La petite vache, avec la petite clochette. Non, mais là, t'es en train de me dire que j'ai un collier de vache. Vache-lui! T'entends ce que tu dis? Ça se dit pas? Non mais c'est sympa comme collier, c'est bien. T'aimes bien? Oui. Comme ça je t'entends venir. Pourquoi t'as besoin de m'entendre venir? Tu vas avoir des problèmes. On continue. On va voir ça ce soir. On continue avec un haut long en fait. Très long, voilà. C'est un haut long. Ashley, il aime bien les hauts longs. Ah, ouais, c'est bien. Quand on est grand, c'est bien les hauts longs. Ouais, quand vous êtes grand, c'est bien les hauts longs parce que ça vous recrée une silhouette. Quand vous êtes grand et mince, surtout. Quoi? Je donne des conseils en même temps. C'est un gris. Avec une petite ouverture. Voilà. Et un petit rajout blanc en dessous. J'ai pris un haut comme ça. Pourquoi je l'ai pris? D'après toi, pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il est chiné. Oui! J'aime trop les trucs chinés. C'est du bleu chiné. Oh non, j'aime trop. Il taille super bien. J'ai pas beaucoup de haut. J'ai beaucoup de crop top, mais j'ai pas beaucoup de haut avec une taille normale en fait. Je continue toujours avec Primark. J'ai pris cette coque d'iPhone. Mais attendez, je vais essayer de mettre mon iPhone comme ça. Vous verrez un petit peu mieux. Non, on voit pas beaucoup mieux. Bon, ça coûtait 1,50€ et je trouve ça assez sympa. Pour finir,
Bon, tout est relatif. J'ai pris des shorts. J'ai pris ce short-là en blanc et également en noir. Ils sont comme ça, mais moi, j'ai pour objectif dans la vie de retirer la doublure pour que ça fasse des shorts transparents. Au lieu que ce soit doublé comme ça, eh ben c'est comme ça et on voit le maillot de bain normalement. J'aurais pu aussi les acheter directement comme ça, mais j'ai pas trouvé. Puis je me suis dit que j'allais faire ça. En fait, c'est toi qui m'as dit ça en vrai. Ben oui. On continue avec un autre short. C'est un short noir comme ça avec des petits bilou bilou bilou. Des petits... Comment ça s'appelle ça? Des pompons. Des pompons. J'aime trop, j'adore ça. J'aime trop les shorts amples comme ça. Donc j'ai pris du 36. Oh, j'ai pris du 38. Ah oui, j'ai pris du 38 pour que ce soit un petit peu plus large, je me rappelle. Par contre, je vais retirer les trucs ça là. Je sais pas, je trouve ça laid. Les petites perles là comme ça. Bon, ouais. Bref. Ensuite, au rayon pyjama, j'ai pris un short comme ceci en taille M. Je vais pas le porter en pyjama. Concrètement, je trouvais que c'était des super jolis shorts. Je sais pas pourquoi c'était dans un pyjama. Ça ressemble à un pyjama, je peux sortir avec ça, non? Faut le voir porter. Ben oui, ben t'as vu comment c'était, c'était ouais. Sympa. Mmh. Alors bon, c'est sûr. Hein. Et j'ai pris la même chose, enfin non, c'est pas la même chose, j'en ai pris un également qui était dans les pyjamas, qui était à 3 euros. Mais ça ressemble à un pyjama, ça, on peut sortir avec ça, non? Oui? Ben oui. Ben oui, on peut sortir avec ça. Donc moi je vais sortir avec ça, pas vrai? Ben oui. Ben écoute. On continue, on change de magasin. Ben monte ton truc H&M. J'ai pris un crop top couleur prune. Vous savez que j'adore cette couleur. Donc quand je l'ai vu, je l'ai pris. Je l'ai pris en XS parce que c'est assez élastique le truc. Donc c'est un col un peu haut comme ça. J'aime trop les cols hauts. Je pense que vous l'aurez remarqué. C'est un crop top donc il est court. Voilà. Et moi, à H&M, j'ai pris un débardeur long. Long, toujours long, les toujours gars. Toujours long. Ouais. Non, pas toujours long, mais c'est bien long. Avec une petite poche stylée, machin, comme ça. Et en fait, le bas, il est arrondi. Ah ouais, le bord s'arrondit en fait, ouais. J'aime trop. Ouais. Et on continue avec de l'Avène. C'est de l'Avène. Ouais. Un jean blanc stylé. Un peu avec si, des effets comme ça. Faut l'imaginer porter. Comme ça, on se dit, ah bof, c'est un pantalon ouais. Blanc. Mais en vrai, il est stylé. C'est une quoi. Super, ouais, c'est une belle coupe. Ouais. Bon. Ben continue parce que j'ai rien acheté chez De La Veine. Hein. J'ai rien acheté. C'était pour les garçons, donc voilà. J'ai pris un t-shirt, c'est totalement mon style quoi. En fait, bon, devant, il a l'air simple. Il a l'air simple, machin, c'est un t-shirt rouge. J'avais besoin d'un t-shirt rouge parce que je n'ai. Ça fait longtemps que j'ai pas acheté des t-shirts rouges. C'est et dur à kiffe. Trouver en France les t-shirts ouais, rouges. Je kiffe le rouge. Et en fait, derrière, en fait, c'est un t-shirt long toujours. Toujours t-shirt long. Et derrière, il y a une fermeture tout, pratiquement tout le long. C'est pour si t'as chaud dans le dos. Bim ! Hein ? Ça s'ouvre pas ? Oh non ! Ça s'ouvre pas en fait ! Y a pas de trou ! Si t'as chaud dans le dos, t'es foutu ! Ah ouais, en fait, c'est une fausse, c'est une fausse fermeture. Fausse fermeture donc. Mais moi je croyais que tu pouvais t'aérer, ça sert à quoi là ouais. Ça sert à rien la fermeture, c'est et pas la peine de l'acheter. Philippe, j'avais ce t-shirt, ouais. Bon, j'aime mieux. Mais c'est pas grave, toi, ça y aura l'éclosion. Il y a le t-shirt qu'il porte, pourquoi il l'a pris? Parce qu'il est gris chiné, bravo. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a trouvé, je suis sûre. Dans tous les cas, s'il le prenait pas, j'allais le prendre pour lui, donc... C'est vrai, c'est gris chiné, tu ne peux pas passer à côté d'un truc gris chiné. Déjà, même quand tu rentres dans un magasin, dès qu'il y a un truc gris chiné, tu l'achètes. Ensuite, on continue avec le magasin Cool Cat. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est pas un super. Enfin, c'est pas un magasin super connu. Nous, on va à celui de Créteil Soleil parce que c'est plus près de chez nous. Mais c'est un super chouette magasin. En tout cas, si vous aimez les t-shirts longs, enfin les Sahwell. Dit-il déchirés, machin. Les ouais, casquettes. Délavées. Même pour les filles aussi, il y a des trucs sympas. C'est un style un peu crop top. Ouais, un peu street, ouais, street. Voilà. Donc voilà, si vous aimez ce style-là, eh ben vous devez rencontrer ce magasin-là dans votre vie. Rencontrer. Bonjour, ce magasin. Donc, j'ai une jupe. Moi, j'ai pris une jupe noire parce que toutes mes jupes noires, en général, ben ça me remonte dans les fesses. Mais je veux pas le dire autrement parce que c'est vrai. En fait, c'est-à-dire, ça me remonte pas dans les fesses.
Quand je dis que ça me remonte dans les fesses, je vais vous expliquer. C'est-à-dire que comme j'ai des grosses fesses, ça fait ça, comme ça. Donc là, c'est ma fesse. Là, c'est ma cuisse. Et puis, bim, ça remonte, ça relue. Ça fait comme une petite... petit toboggan. C'est ridicule. C'est super laid. Et là, elle est longue. Ça suit pas ta cuisse, en fait. Voilà. Ça suit pas la cuisse. Ça suit pas ma cuisse. C'est comme si ça refuse de coller à ma cuisse. C'est comme si ma cuisse, en bas de ma cuisse, ça sentait mauvais. Donc, pff, bim, il faut s'en aller. C'est exactement ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est une jupe qui te galbe. C'est un tissu qui te galbe. Et ça coûtait, par contre, c'était quand même un peu cher. Ça coûtait 17 euros, quoi. 18 euros, quoi, pour une jupe. Ça coûtait cher, ça. Ouais, mais j'avais pas de jupe noire qui faisait pas ça. J'ai pris du taille S. Et toi, t'as pris quoi? Alors, moi, j'ai pris... du coup, comme j'avais pas de truc rouge, je me suis lâché. Donc, c'est un t-shirt comme ça. J'ai pris un t-shirt, ouais, avec les manches... ça fait un peu... Tu sais, les Américains, là, tu sais, quand ils font... Ouais, quand ils font... Ils mettent des maillots, comme ça, il y a ça, comme ça. Baseball, football américain. Ouais. J'aime trop ce t-shirt. Il est long, lui, ou pas? Non, c'est un t-shirt normal. Du coup, j'avais déjà repéré, en fait, ce t-shirt sur le site de Cool Cat, parce que j'avais acheté, en fait, cette casquette qui va parfaitement avec. C'est une casquette que j'ai pris en fait sur AliExpress. Mais elle est un peu grande. Elle est... Tu peux essayer. J'étais un peu déçu parce qu'elle est un tout petit peu grande. Ouais. Elle est bizarre. Elle est en mode chinois, je sais pas. Attends, mais pourquoi ça m'arrive sur les yeux? Je vois plus rien. Ouais, c'est dommage, elle est un tout petit peu grande. Et du coup, il a pris notre casquette aussi sur AliExpress. Il y a plein de casquettes sur AliExpress. Si jamais vous voulez, jamais vous aimez les casquettes, ça coûte pas cher, ça coûte 5 euros et quelques. Bon, après, ça prend du temps pour arriver, mais bon, en soi... Commande à l'avance, longtemps à l'avance. Voilà, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Si vous savez que vous avez un événement ou quoi... Et du coup, j'ai commandé, en fait, cette casquette. Legalize it. Elle fait un effet damier. Moi, j'aime bien. J'aime bien cette casquette, moi. Chez Pool & Beer, on a pris... En fait, j'ai pris un t-shirt. Devinez quoi? Il est long. Il est asymétrique. Il y a les coutures au milieu, tout ça. C'est un t-shirt simple. En S. Ouais, sa taille est grande. Ouais, en S parce que sa taille est grande. Et toi? Ah oui, à moi. J'ai pris un crop top. J'ai l'impression de présenter que des crop tops quand je fais des hauls. Donc c'est un crop top comme ça, avec des motifs. Et c'est surtout pour le dos en fait que je l'ai pris. Je trouve que c'est trop beau. Eh mais je peux porter ça peut-être aussi devant, ça fait un décolleté un peu. Oh, je vais essayer. Chez Pool & Beer, je trouve toujours des crop tops trop sympas. Donc à Pool & Beer, toujours, j'ai trouvé ce débardeur, un débardeur avec une poche. Elle est en décalé, la poche, tu vois. Ouais. La poche n'est pas là, elle est là. C'est un débardeur long, du coup, toujours. Et il est gris chiné. Évidemment. Bon, on remonte un truc qui était chez De La Veine parce qu'il avait oublié. Il était en dessous. Attends, non, c'est lui qui était en dessous. Tu m'as dit, lui, il va avec les autres. Peut-être. Je vais la taper. Je vais te taper, non? Je vais te taper. Un t-shirt déchiré. Totalement déchiré. Attends. Ou, tu vois, style mangé par les rats, tu vois. Simple. et long. Ouais. T'as pris que des t-shirts longs, en fait. Parce que... Ensuite, j'ai pris... un short noir pour l'été, un petit short noir sympa, hop, on voit bien là, clac comme ça avec des petits trucs sur les côtés, des fermetures, ça j'aime bien, petites fermetures comme ça j'aime bien. Et pour finir du coup moi j'ai pris un crop top, encore, voilà, suspense, il est comme ça. Attendez, quand les gars vont au magasin avec leur copine, c'est normal le mec, la fille fait... chérie, tu peux prendre ça? Tu penses que ce sera sympa? Non mais qu'est-ce que le gars il voit là dans ça? Tu vois, il sait quoi ça? Je sais même pas dans quel sens ça va. Ça va comme ça? Ça va comme ça? Ou bien ça va comme ça? Oui mais il faut le porter chérie. Moi aussi quand je l'ai vu comme ça, ça n'a rien donné dans ma tête. Mais après, quand je l'ai essayé, je me suis dit ah ouais c'est beau. Non, concrètement, un gars ne peut pas aller dans un magasin acheter un vêtement pour une fille parce qu'il va tomber sur des trucs comme ça. Jamais, tu vois, la fille a acheté ça et va se dire waouh, où est-ce que t'as trouvé ça? Mais le gars va jamais trouver ça parce que
Qu'est-ce que tu veux faire? Je peux pas l'imaginer, tu vois. Qu'est-ce que tu proposes? Tu veux que tous les vêtements soient sur des mannequins dans les magasins? Ouais. Okay. Un magasin pour les filles, mais spécialement pensé pour que les garçons. Voilà. D'accord. Non, mais on va y penser. Écoutez, oh, bah, on y travaille. Donc moi, j'ai pris du taille S et la particularité de ce crop top là, j'ai pas du tout de crop top qui ressemble à ça ou quoi. C'est que le dos est totalement nu. Il y a que ça en fait qui retient derrière. J'aime trop, je trouve ça fait trop sexy, c'est trop... Genre en mode, on voit un petit peu ton dos, un petit peu tes épaules, tout ça. J'aime bien. T'aimes bien aussi. Tout le monde aime bien. Voilà, c'est fini pour ce haul. Ton premier haul, mon bébé. N'hésitez pas à nous dire si ça vous a plu, ce type de haul-là, pour garçons et pour filles. Peut-être que vous allez vous reconnaître un petit peu... plus les garçons ou bien les filles qui font le shopping pour leurs copains, je ne sais pas. Dites-nous en commentaire quelles sont les pièces que vous avez préférées dans la vidéo, autant pour moi que pour Ashley. Non, autant pour Ashley que pour moi, c'est dans ce sens-là que ça se dit normalement. N'hésitez pas aussi à nous dire toutes vos idées de vidéos que vous voulez qu'on fasse tous les deux. Toi et moi, you and me, vous et moi. J'avoue, je me suis emballée. S'emballe. Et puis nous, on vous embrasse et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo. Il connaît pas. Allez, tchuss.